les gens de la rue, enfin du quartier. Ah bah, les gens du quartier, ils sont habitués à voir la vitrine colorée. Mais l'été, des fois, il y a des gens qui passent, ils font « Oh, regarde, comment c'est beau !» C'est un groupe d'entraide mutuelle, c'est une association. Et ben, on se retrouve entre copains, entre amis, on peut jouer aux cartes. On peut faire des scrabbles, on peut faire des activités chant, des activités théâtre. Les activités sont gratuites. Des fois, c'est un peu payant. Comme par exemple, hier soir, on est allé au bowling. On a payé 3 euros. Le GM nous a payé un coup et un coca. Et puis, on a fait une partie, on était 8. J'ai une pension d'invalidité, ça me fait 700 euros. Plus un complément pour faire le montant de l'âge, 810, 815. Je pourrais travailler en ESAT, mais il n'y a pas beaucoup de place et les postes qu'on m'a proposés, ça ne m'intéressait pas trop. J'ai besoin de sous pour faire un voyage en Bretagne, là, je suis breton. Et j'ai eu les sous que je demandais, j'espérais, je n'ai pas demandé des milliers de ça, j'ai demandé pour le ticket de train. Et plus ma semaine, c'est 100 euros ma semaine. Ma curatelle, elle est à Limoux, c'est l'APAM 11. À la fois, c'est bien parce que la curatelle, ça me germe. Je fais à la semaine, donc j'ai de l'argent tout le mois. Parce que moi, je suis dépensier et je dépenserai tous mes sous en 10 jours. Et puis après, pendant 20 jours, je ne mange pas. Alors, que je suis sous curatelle, ça morcelle un peu la dépense. Alors, je fais un peu de course, un peu de tabac, et puis il me reste 10-15 euros pour aller au cinéma. C'est trop cher le tabac, faut qu'ils arrêtent de monter le prix des tabacs tout le temps. Mais faudrait que j'arrête de fumer surtout. Voilà. J'ai fait une course avec elle, j'ai acheté la viande, le jambon de poulet, le cachir, le pâté à l'ail, le steak haché, le surgelé. On a pris des clignotis aussi, des petites saucisses à l'ail. Ouais, les petites saucisses à la marquette. Ah, d'accord. Une fois par mois, on fait des grosses courses. On va à Lidl. On achète du lait, du café, des confitures. On achète tous les produits de première nécessité. Tous les 10 jours, quoi. Une fois par mois. Hein. Une fois par mois, on va à Lidl. Les courses pour le mois. Pour le mois. Et puis après, ponctuellement, tous les jours, on achète du pain frais, on achète un peu de légumes, un peu ce qui manque pour faire le repas. Et ça nous coûte 2 euros le repas ici. On fait des vides greniers. C'est-à-dire que nous, si on veut se débarrasser d'un truc, on n'en a plus l'utilité. On propose aux GEM, s'ils veulent le prendre pour le vendre, un vide-grenier. Soit ils acceptent, soit ils refusent parce que le truc il n'est pas terrible. Et quand ils acceptent, eh bien, il y a des participants qui font le vide-grenier avec un encadrant. Après, on fait des journées d'animation pour la journée, par exemple, des associations. On fait un stand décoré avec un jeu ludique et puis des... On fait le journal aussi, le journal du GEM. Tous les mois, on fait un journal. On espère, le président, il va rien ajouter 100 euros comme il l'a dit. Ça nous fait un peu d'argent, ouais. On est content. Donc. L'argent, c'est pour acheter ce qui nous intéresse, les courses, ce qui est les courses, la maison, la voiture, marier. Il fait plusieurs choses avec l'argent, mais pour avoir l'argent, il faut... Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Des efforts. Un peu des papiers. Efforts. Quand on n'a pas d'argent, c'est un peu difficile. Après, l'argent, c'est pas tout quand même. Mais quand on n'a pas quand même, c'est un peu difficile quoi. L'argent, c'est un moyen de se procurer quelque chose dont on a envie. Quand on boit, quand on fume, tout ça, c'est pour. Moi, j'ai fumé 300 euros par mois. En plus, c'est même pas des cigarettes, des vraies cigarettes, quoi. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir les cigarettes, parce que c'est pas gratuit. On s'inquiète, on essaye de trouver la solution pour avoir un peu. Même une voiture, sinon, on a besoin d'une voiture, il faut la payer, il faut l'argent. Et quelque part, c'est l'argent qui compte. Moi, je suis un peu utopique avec l'argent. J'aimerais qu'il n'y en ait pas. Enfin, si, qu'il y en ait quand même, mais... Mais que ce soit pas avec de l'argent qu'on puisse avoir des choses. Ce soit avec des efforts, de la participation volontaire. Il y aurait plus de choses de meilleure qualité. Mais l'argent, on vit dans un monde avec de l'argent, donc il en faut de l'argent. Tu te rappelles, il faut trier les factures. Oui. Donc voilà, on trie dans l'ordre chronologique. Après, tu mets la date, l'entreprise et le montant et tout se calcule automatique. Je vous ai mis les formules de calcul, tout se calcule automatique.
Donc voilà. Et pour les recettes? Les recettes des repas, tu le sais, tu te rappelles du cahier, 2 euros le repas 2 euros, le nombre de personnes, et que ça se multiplie automatique et ça additionne. Et oui, à la base j'ai un niveau BTS comptabilité, c'est ma formation de base, mais je me suis reconvertie. Maintenant je fais un BTS sanitaire et social. Moi j'ai été nommé trésorier et grâce à Angélique, j'ai la possibilité d'apprendre un peu la compta. Il faut savoir qu'on est parrainé par une association qui s'appelle l'Espoir de l'Aude, et qui nous donne tous les mois un budget, par exemple un montant de 250 euros, et on gère ça pour les dépenses, là, tout ce qui est alimentation, voilà. Et pour les recettes, c'est les adhérents qui payent un repas de 2 euros, et ça aussi c'est très important de savoir, parce que c'est très important de savoir combien d'argent rentre. Et tous les 3 mois, on fait des brocantes pour faire rentrer de l'argent, pour qu'on se autofinance des activités, parce que malheureusement, les subventions baissent. Donc c'est vrai que là aussi, c'est aussi pour le travail là de trésorier, on s'adapte parce que, par exemple, quand Jean-Mi n'est pas capable de le faire, c'est moi qui reprends le relais. Moi, je ne suis pas douée à la cuisine, il m'apprend à faire la cuisine, je lui pose des questions et il me répond pour la cuisine. Ouais. Comme, voilà, c'est un partage et un échange. L'année dernière, si, ils étaient en déficit l'année dernière, donc voilà, mais pas de... c'est un peu normal parce qu'il y a moins d'aide, parce que maintenant, comme la région, c'est l'Occitanie, et ça fait qu'on n'a plus l'aide régionale, oui, parce qu'en général, chaque année, le GEM touche 75 000 euros à peu près. Donc voilà, et on a un déficit de 5%, voilà. Et on a moins de subventions municipales. Mais par contre, le département nous fait un geste, c'est que chaque année, il nous finance des activités comme l'équitation, le kayak et le tir à l'arc. Par contre, le conseil départemental nous finance 3 sports chaque année. Pour qu'on a accès au sport et voilà. Et que le sport aussi, c'est bien pour la santé. Activités. Voilà.